Annonce tout auditoire là que Asoya nous gagne professeur Lavoisier ensemble avec nous. Nous content pour l'ensemble avec nous. Nous allons passer un bon moment et nous gagne en pile question que ou bien en pile analyse que nous allons faire ensemble et nous souhaiter que Kotoya ou été branché parce que gagne pile information qui peut tomber Asoya et avant même que n'aller plus loin on nous dit bonsoir encore une fois avec professeur Lavoisier. Et nous disons bienvenue sur Radio Fanatique FM et bienvenue dans l'émission Parole la Caille. Nos bonnes opportunités et professeurs pour capable saluer l'auditoire là. Et puis après ça, nous avons enchaîné avec l'émission. Merci. Tout d'abord, je remercie pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour moi de te contacter, pour te informer de nouvelles âges. Et de partager avec tout le staff moi, qui était bien accueilli et tout. Et merci du fait que vous avez apprécié, pour apprécier le travail que nous avons fait. Hein. Et déjà, c'est preuve de, d'ouverture, de compréhension, et d'autant plus que moi, vous permettre une bonne opportunité pour nous capable non seulement utiliser la plateforme là, pour faire valoir position nous et point nous. Par rapport avec le mouvement, non, mais d'autant plus que permettre que monde qui est auditoire, yo, et auditeur, auditrice, yo, capable de radio fanatique et surtout Chopol, en quelque sorte, capable de faire connaissance, non seulement avec moi-même, en tant que leader mouvement, mais d'autant plus tout avec vision, non, idéologie, non, conception, non, surtout autour de thématiques que nous allons essayer ensemble à partager, nous, pour faciliter compréhension chaque monde et chaque paneliste et chaque monde et capteur de radio. Encore une fois, de plus, merci. Et c'est un plaisir pour m'avoir à ça. Merci beaucoup, professeur Lavoisier. Professeur Lavoisier, pour moi qui pas fin qu'on bien, bien qui t'a manqué qu'on en bien, ou capable de nous dire grâce de vous-même, et afin que l'auditoire là, ou bien monde qui parle tellement, je ne sais pas dire tout à l'heure, capable de faire connaissance avant, dans plus d'informations qu'on capable de bailler à soi. Bah, nos petits détails de vous-même, de la vie, ou bien qui monde, professeur et Lavoisier, Chérisier Junior. Ok, professeur Lavoisier, c'est un beau sale. Si on est grandi, c'est un bon naïf. À l'école Gonaïve, qui était Gonaïve à l'âge de 14 ans. Et je suis Port-au-Prince, et je suis étudié de Port-au-Prince. Je suis tombé à Paris, de Paris, je fais 7 ans, et de Paris, je suis tombé aux États-Unis. Donc, j'ai un parcours qui est extrêmement varié, et je fais des expériences, m'exposer à d'autres cultures, m'apprendre, m'enrichir connaissances. Et d'autant plus que depuis passage moins, et tant ça m'a fait à l'étranger, en tout, en quelque sorte. On est toujours intéressé par l'évolution politique qui vient dans le pays d'Haïti. Et surtout, avec l'histoire et culture du pays d'Haïti. Maintenant, il est venu comprendre qu'il y a des méconceptions, il y a des problèmes de compréhension qui posaient, qui fait en quelque sorte, nous toujours trouver dans notre situation. Ça a bien déporté l'esprit, moi. D'orienter l'esprit, diriger l'esprit, moi, pour essayer de toucher problématique ça, de façon à ce que nous sommes capables de vivre, au moins dans une certaine mesure, ouais, comme on est capable d'apporter des solutions et permettre à ce que les communautés haïtiennes, non, tendent leur discours, leur narratif, où on est capable, bien entendu, d'avoir une idée de réalité pays, et raison, après 200 ans, qui fait nous là dans la situation, ça. Et c'est ainsi, bien entendu, que moi-même, avec d'autres camarades, nous venons inscrire dans la dynamique de recherche, ça, et bien, nous, porter un nouveau message qui, en quelque sorte, chita sous des piliers solides et avec une vision, une idéologie et une stratégie aussi pour combattre, en quelque sorte, le système qui est en place. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas un bagage qui est aussi évident. Compte tenu du fait que le niveau d'aliénation qui existe dans la société haïtienne, non, que la majorité de nous n'est pas vraiment au courant de ça, qui en fait quelque sorte ces résultats dynamiques, système ça même, pour être capable de perpétuer cette vie dans le temps. Et chez nous, arriver révolté, remettre en question, sauf des pensées, nous
et essayer de voir dans quelle mesure nous sommes capables d'outiller. Peut-être nous, nous commençons à des outils nécessaires et voire même indispensables pour nous capables de mener la bataille. Et comme ça, nous avons mis en place une école de décolonisation mentale, que nous avons l'université Boussal, et des conditions pour nous éduquer le peuple sur la question comment le système là aligner et puis permettre de prendre, cultiver l'esprit critique pour l'apprendre, comment qui est lié à ces nous, côté de sortie, et puis permettre de découvrir une nouvelle anthropologie et pour être capable de comment on est capable de redéfinir tête dans l'espace haïtien. So, ce n'est pas un bagage qui est aussi facile, mais il m'a dit pile volonté et détermination. Nous disons, dans ce sens, dit Christ, merci, du fait que tu permets nous une opportunité pour être capable d'arriver. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau de méthodologie, l'intigeant laissé à désirer dans la mesure où que n'importe monde qui est capable d'exposer avec méthodologie est choqué. Et ceci est tellement dit, est tellement vrai que il y a des niveaux de confusion qui existent dans la réalité pays d'Haïti qui fait que ce sont des schèmes même d'aliénation. Bon, sur les mounio tendez m'a parlé avec surtout usage que je fais de mots. La créole là, et bien entendu, il me doit, tant qu'on est choqué, il est choqué, il dit, il va dire bêtises. Donc, voilà, mettre là, au jour et toi. Mettre là, il dit, toi, bêtises. En réalité, yo, malgré, il entendait, il so, mais il n'a pas fini vraiment cerner dynamique linguistique là, et méthodologie qui cachait derrière des masses. Parce que le choc émotionnel et mental, qui, en quelque sorte, a suscité. Nous sommes capables d'essayer de dépasser et transcender la réalité haïtienne pour questionner cette vie dans l'espace-là, de façon pour arriver à redéfinir cette vie. Et bien, c'est le niveau de colonialité ça, qui non seulement touché le pouvoir, la colonialité du pouvoir, et même champ épistémique, épistémologique même, et même la colonialité de l'être-là, qui expliquait en fait la dynamique d'aliénation ça. Qui fait que nous tombons dans zizutisme, que si M. Aliéné, si on casse moins en 4 là, nous mettons dans une situation côté que nous n'avons pas accouché des résultats, malgré que nous avons étudié dans les plus grandes universités occidentales, en France, aux États-Unis, au Canada, mais nous sommes toujours confrontés à une réalité qui, en fait, remettait en question toute sa route à apprendre, et toujours casser bouche sur la réalité, là, parce que tout ensemble de connaissances qu'il a acquises, surtout en domaine dans les sciences sociales et les sciences humaines, ils n'ont pas compatible, ils n'ont pas correspond bien entendu avec la réalité haïtienne, alors que nous étions supposés, dans le domaine ça repartir avec la réalité haïtienne, nous conceptualiser, de construire des savoirs et des connaissances qui correspondent à la réalité nous, de façon à ce que pour nous capables de favoriser l'émancipation nous et épanouissement nous dans le propre espace. Nous, en gros, ce travail, ça n'a fait. Et puis, nous mettons en place un mouvement, ça a tout, qui vous permettre, nous, bien entendu, à armer nous de nos outils nécessaires pour nous capables de mener une bataille, ça, à terme. Et nous fonder le sous-Christ, parce que c'est l'esprit Christ qui a mené nous. Et nous vraiment fiers, avec tant pis le courage pour nous dire que c'est grâce avec l'esprit Christ qui fait nous mener le mouvement, ça. Et nous remercions encore une fois de plus, vous avez une opportunité pour nous capables. Et quand aujourd'hui, là, j'en parle de façon créole, antigien francisée. En fait, c'est pour nous dire que, mais bien que m'étudie en France, à Paris, et je fais des études dans l'autre bois, mais j'ai un amour passionné pour le créole. Je vais parler de créole, je vais parler de créole moussala, créole dit en créole réclin. Parce qu'on est en quelque sorte, il y a une dimension et mystique et qui cache d'elle parce que chaque langue il y a l'esprit qui cache d'elle. Maintenant le créole en tant que tel il y a l'esprit qui cache d'elle et le refus systématique pour nous adopter créole là comme langue par rapport pour entrer dans une dynamique dialectique par rapport avec langue ça langue colon qui c'est français hein. Bon, c'est que je vous dis si nous comprendre ça cache d'elle créole là la prière accomplit de grandes choses. Et puis, arriver à permettre à ce que nous redorions dans un monde, dans un pays. Nous vous remercions encore une fois de plus. J'espère que nous passons un très bon moment autour des thématiques que nous allons discuter. Merci beaucoup, professeur. Et nous allons enchaîner directement avec thématique là. Je vais obliger de faire un tir à aller tout petit
et pour capable venir avec question pour capable entrer d'emblée et dans sujet à soya. Professeur Lavoisier, c'est pas un secret et pour aucun monde dans 40 dernières années qui se passé dans le pays d'Haïti, dès qu'a dit pays d'Haïti, lui dépend en grande partie pour il dépend en grande partie pour ne pas dire totalement de aide externe, c'est-à-dire qu'on peut sortir à l'étranger. Comme aide, surtout, et ça est dominé par transfert ou bien contribution diaspora. Donnez au fait nous connaît, Haïti recevoir environ 20 milliards de dollars de transfert de diaspora, voyez, entre 2010 à 2019, d'après Banque mondiale. Toujours d'après BRH, diaspora a envoyé vers Haïti 1,4 milliard de dollars entre 2018 et 2019. En pile, on dit, si ce n'est pas diaspora, Haïti a déjà péri. Cependant, de l'autre côté, il y a un ou bien un pile observateur qui a fait remarquer que diaspora a contribué tout de façon négative pour mettre le pays dans une mauvaise situation, il trouve aujourd'hui à la. Surtout, la note de nouvelles, et il y a des gens qui contribuent à l'envoyer des âmes dans le pays d'Haïti, et les âmes, ça a l'air arrivé, c'est toujours Dakadil pour former commerce et elle tombe dans les mêmes bandits. À partir de deux constatations, ça y est, qui côté ou placé, ou du moins qui opinion, pas, comment ou est diaspora par rapport à la situation ça? Encore une fois, depuis merci. Question, nous avons un problème de compréhension et d'analyse et même de méthodologie. Et alors, où est-ce qu'il y a une temporalité de 40 ans, 40 années? Mais en réalité, c'est tout un résultat d'un processus historique qui mettait nous là. Maintenant, il faut qu'on comprenne que nous ne pouvons pas comprendre dynamique qui gagne dans le pays d'Haïti, si nous pas inscrit Haïti dans un système global. Ceci étant dit, les contradictions internes qui existent dans le pays d'Haïti ou pas qu'à analyser de façon isolée. Maintenant, il faut considérer aussi les grands événements qui ont marqué la scène internationale au cours de périodes à et qui impactent le gain, que ce soit négatif, sur la réalité du pays d'Haïti. Et maintenant, tout d'abord, il faut nous comprendre comment nous avons fait d'abord une diaspora, avant même de comprendre l'implication et le rôle de la diaspora dans le pays d'Haïti. Si nous ne prenons pas un problème à la base, nous comprenons que je n'ai que dit, il n'y a pas un bagage aussi simple. Et nous parlons bon matin, nous venons de la diaspora. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes chassés, nous sommes forcés à l'exil, nous sommes forcés à quitter le pays. Non. Maintenant, il faut comprendre qui est politique qui est forcé ça. Il faut comprendre que comment nous quitter le pays, hein, c'est à partir de un choix, un système que nous avons mis en place. Et système ça, alors que nous sommes inscrits dans une dynamique pour nous batailler contre nous-mêmes, et nous remarquons que malheureusement, le système est tellement solide, il est arrivé à mettre nous dans une situation côté que nous avons quitté le pays. Nous sommes obligés de quitter le pays à voyager dans notre pays. Et système ça, son système économique, son dictature économique, pétionniste, mais là-dessus, libanais, qui est implanté dans le pays depuis 1806, après l'assassinat du général Dessalines, président Dessalines. Et il faut comprendre bien, pour le système ça a été mis en place, il fallait que pétion te mette l'état pâle pour servir l'intérêt des mulattes. Et maintenant, il y en a un qui ne pas comprendre pour qui raison. C'est parce que, bien entendu, l'État des Salines, vision l'État des Salines, qui est décrit à travers la Constitution de 1805, l'État Salines était fait dans l'intérêt, pour servir l'intérêt des nègres. Si monsieur, si nègre va être grenier, descendant africain. Eh bien, il faut comprendre que les mulats, à un certain moment, ont compris que si des Salines quittaient l'État Salines perpétuel, en quelque sorte, et la dominance et la prédominance, la prééminence que vous venez bien, vous avez cherché pour vous bien soutenir avec Daniel, quelque sorte de domination économique, vous n'êtes pas capable. Parce que l'État des Salines a été réclamé en quelque sorte pour que Tinek Matel Daniel
Ok? Combien 200 000 esclaves qui sont sortis, qui n'ont pas tête même, qui sont en paix. Alors que là, tu as préclamé qu'ils étaient aussi pour eux. Maintenant, il faut comprendre que c'est toute dynamique biopolitique agressive qui prend la cause que Yodi Desalines était un dictateur. Maintenant, il faut comprendre que la campagne de dénigrement, ça, vous comprenez, la campagne, ça, il a commencé dans le sud. Alors, il faut comprendre que du point de vue régional, que Sud-Blanc, en quelque sorte, était traversé par le rigorisme. Rigorisme, c'est, alors, on est le général Hugo qui citait un mulâtre, et le sud, c'était bastion, en quelque sorte, de mulâtrisme. Et nous pourrons voir comment, bon, alliance stratégique qui pourrait être faite entre le sud et l'ouest, pour être capable de mettre, en quelque sorte, la fin avec l'État de Saline. Et c'est à partir de l'assassinat, ça, de l'assassination, ça, que nous pourrons le prendre, nous pourrons le prendre à faire accaparation de, mais là, qui pourrons faire accaparation de l'ensemble des moyens de production de dans le pays, à qui c'est les terres, principales ressources. Économique qui dégaine. Maintenant, si monsieur Noir vous faites sortir dans l'esclavage, en quelque sorte, il n'a pas voulu retourner au travail dans le théâtre, malgré qu'il y a une forme de caporalisme que des salines de mettre en place, pour te forcer, tu n'es pas tête dans le travail, dans la mesure où des salines de mettre en économie de guerre, pour te capable de permettre à ce que nous préserver l'économie, ça t'est là pour servir la guerre, pour comprendre, pour l'armée, l'État, pour permettre à ce que nous protéger souveraineté nationale, nous, et protéger l'évolution en quelque sorte que nous avons à peine fait. Le pays a fait indépendant. Maintenant, et mais là, tu, en quelque sorte, les officiers des Salines, ils ont fait deux actions opposées. Une action opposée, c'est l'accaparation des terres. Ils ont fait tout faux papier pour prendre terre. Et deuxième bagage qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité. C'est Pétion lui-même qui écrit le roi de France pour demander le roi de France pour reconnaître la République d'Haïti. Alors qu'on est après la mort de Dessalines, le pays a été divisé en trois. Christophe dans le Grand Nord et Pétion dans l'Ouest et Hugo dans le Sud. Alors par lien de questions de qui a un rapport avec la couleur de peau, par fait que, en quelque sorte, le Sud et l'Ouest pourraient mettre tête ensemble. Et je parle peut-être ensemble au point que je parle créer en condition pour nous faire offre à des salines. Maintenant, pour quitter l'aspect histoire, ça, pour notre plus fondamental, il faut comprendre que c'est M. Sao Toussaint qui va demander la France, il va l'écrire par la France pour dire que si vous reconnaissez, pas parce que vous bataille pour la reconnaissance, si vous reconnaissez l'État de l'Ouest, là, en quelque sorte, la République de l'Ouest, à Péo. Et donc, cette demande a été faite auprès du roi de France. Et il parle implémenté en quelque sorte et réitéré avec Charles X sous Boyer. Nous connaissons Boyer, il y en a à l'issue que Pétion t'a gagné et c'est lui-même qui l'a pris une dégueule. Maintenant, situation, ça va lui permettre à ce que l'État Pétion, avec période de temps, Boyer vient faire structure économique avec domination et économique, là, va vraiment prendre place là, en dedans pays. Et nous connaissons, nous mettons un parti en place. Nous connaissons parti sérieux, qui c'était le national et le parti libéral. Maintenant, il faut comprendre que nous avons tous des avantages sur nous. Si nous avons des mulatios, en quelque sorte, nous avons l'étudié en Europe, en France. C'est-à-dire, le cadre référentiel mulatios, c'était en fait l'Europe, l'Occident, la France. Et nous-mêmes, en quelque sorte, si nous avons des graines, nous n'avons pas gagné cadre référentiel, en quelque sorte, sorti de l'éclavage, nous étions esclaves. Mais là, tu n'es pas esclave, mais là, tu es fait libre, mais tout simplement, tu as des revendications qui ne sont pas nécessairement des revendications par nous. Maintenant, nous trouvons dans une situation où nous ne sommes pas des cadres référentiels, nous même si nous sommes dans les. Maintenant, mais là, tu vas imposer nous à travers structure idéologique, ça, appareil idéologique, l'État pétionniste, cadre référentiel, l'Occident. Et ceci pourra le perpétuer dans le temps. Nous allons voir que l'État va retourner même pratique qui était faite en dedans colonial. L'État va favoriser l'Église catholique, en quelque sorte, venir prendre contrôle l'esprit qui n'est pas tête blanche. Et ceci, dans perspective, bien sûr, pour permettre à ce que qui n'est pas tête blanche soit capable de coloniser au niveau mental. Et deuxième élément, il y a l'éducation dans l'Église, à
travers, nous parlons ça va le fait avec Pape Geoffroy, qui, en 1860, le concordat des Gonaïves, pas le concordat des derniers, mais le concordat des Gonaïves, et puis, automatiquement, nous parlons que, conséquence, modèle éducation, ça va gagner sous l'esprit qui n'est pas de Gouin. Nous parlons d'imposer l'éducation, ça, à travers la langue française, c'est-à-dire le prolongement même de la culture française. Alors, côté bataille contre la France, mais qui est-ce qui a intérêt dans le français, ça, pour imposer l'histoire pays ou quoi apprendre la langue française? C'était les mille-là. Parce que le cadre référentiel, c'était la France. Le cadre référentiel, c'est la France. Parce que nous avons un souci permanent pour nous commercer avec la France, avec l'Europe, qui en réalité, à l'époque, c'était puissance économique, empire économique. Maintenant, situation ça, pour mettre nous dans une position de vulnérabilité, contrairement avec ça, l'état des salines. Et ceci, à quoi ça, pour le fait côté que nous disons, pour le pays, Charles Disney. Et c'est ça pour l'expliquer, tellement ça, il va le faire. C'est parce que Milat était aussi sûr et des garanties pour nous payer d'être indépendants. C'est une égoïste graine qui va travailler dans la plantation pour nous payer comme ça. Parce que je ne sais pas grand le monde pas vraiment prêter attention. C'est que les Milat ont accepté de payer à travers l'État pétion, payer la France. Je te dis que tu garantis que c'est une équipe green qui va travailler tant que bête. Et je prends exploiter. C'est là où mettez le système. Je mettez dictature économique. Pétionniste commence à prendre cher. Et c'est donc pour expliquer l'ensemble de révolte qui va le faire en dedans. Et c'est là, ça a tout processus. Ça va commencer côté que une équipe green commence à entrer dans une dynamique de prise de conscience. Que le rapport va le définir avec l'État, ça, l'État colon, ça, l'État. Et pétition, ça, son rapport dominant-dominé. Maintenant, il parle de nécessité pour organiser, nous sortir dans la pièce, ça. Maintenant, on parle pour qu'il y ait possibilité pour qu'il n'y ait pas de quitter le pays. Mais, bon changement qui va le faire, tout ceci, tout ça va l'expliquer, exploitation, qu'il n'y ait pas de pour être subi au cours du 19e siècle. Et vers la fin du 19e siècle, nous allons remarquer que bon, l'autre groupe monde qui va rentrer dans le pays, vers la fin de, au cours des 1880, qui c'était les mulats et les tirs au Libanais. Mais la catégorie, ça va rentrer dans le pays. Pour comprendre bien, catégorie, ça va rentrer comme ça, de façon volontaire. Non, c'est vrai, il y a fui question persécution dans le pays, mais religieux. Mais ils ont passé aux États-Unis, et puis les États-Unis, là, ils ont dans tout le pays, dans tout le Caraïbes, dans l'Amérique latine, et puis ils ont fait une nationalité, et puis ils sont tombés en Haïti. Maintenant, ils sont tombés en Haïti, tout, mais il faut remarquer qu'après Nexa, ils ont fait débarquer dans un pays, dans Caraïbes, dans l'Amérique latine, les États-Unis vont utiliser Nexa comme des outils pour guinder, en quelque sorte, diminuer l'influence de l'Europe. Et depuis que Nexa a commencé à entrer dans l'Amérique latine, ni en Caraïbes, ni avec Haïti, nous voyons les Américains commencer à rentrer pied. Dans les Caraïbes, non? Dans l'Amérique latine, il va intervenir au Nicaragua, il va passer par Saint-Domingue, il va tomber. Non? Alors, il faut me comprendre, et puis jusqu'à 1915, ils ont entré en Haïti. Maintenant, il faut me comprendre bien que, il faut rejoindre des justifications. Qui voit le M. Sarro, immigrant Sarro qui est entré dans le pays, a venu jouer par rapport avec l'objectif américain gagné pour prendre contrôle de l'Amérique latine, pour prendre contrôle de l'Amérique, non? Et puis pour réduire et mettre fin avec l'influence des empires coloniaux européens dans la zone. Alors, c'est toujours question d'implémentation de la doctrine de Monroe. Faut une pièce sur ça pour me comprendre la dynamique que nous vivons aujourd'hui. Et à partir, avec l'arrivée de l'occupation américaine, il faut comprendre bien, en 1915, les États-Unis, beaucoup arrivé non point côté que Tinek va être green, arrivé à l'égalité, son pays qui a fonctionné dans le ségrégalisme. Maintenant, il faut comprendre bien l'ennex a arrivé, Yankee ça a débarqué. Ils ont saisi Tinek va être green en quelque sorte qui est vraiment libre et a bataille pour l'espace. Et ceci étant dit, ils ont décidé en quelque sorte pour travail connecté avec Milatio, parce que Milatio a une résistance. Je dis qu'il faut travailler avec Milatio. Et nous allons remarquer que dans les administrations publiques, dans le pays, il y a tout les ports, les sessifs, c'était les mulats
et même l'armée, le gros état-major de l'armée, qui n'est pas fini crasé, l'armée indigène, il y a mis ton petit gendarmerie, nous parlons de l'état-major, c'était des militaires en majorité. Et l'académie militaire, c'était des militaires qui étaient contre la guerre, il faut qu'il n'y ait pas. Alors, les gros points, ils ont livré l'administration. Professeur, et ça, oui. Nous avons fait un petit coup pour tout petit. Information, ça est important. Il est essentiel, mais allons-y, j'en pique pour nous, parce que nous n'avons pas grand temps, nous avons deux temps, monsieur Panel, si vous avez chauffé, et on écoute maintenant ma coupe pour nous, et puis nous comprenons comment pour faire ça, faire le coup pour nous, pour nous capables d'arriver dans le sujet, et puis parce que monsieur Sayo est capable de poser quelques questions à tout. Merci beaucoup. Ok, pas de raison qui fait nous faire ça, parce que, ou pas qu'à réduire, et problème Haïti à 40 années. 40 années, ça, vous vous avancez là. Et vous ne pouvez pas comprendre 40 années, ça. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire d'Haïti avec les paramètres et contradictions. Et c'est un problème que, lorsque tout ça s'est avancé, 40 années, 20 milliards de dollars, 1,4 milliards de dollars, ce sont des phénomènes. Et si vous réfléchissez sur des phénomènes, vous ne pouvez pas comprendre la cause du phénomène. Et c'est un plus grand problème qui vient, c'est qu'il va aboutir à ce qu'on appelle une analyse en surface. Et nous faisons trop d'analyse en surface qui cause, en quelque sorte, pour toujours camper en place. Au lieu de nous avancer, nous effondrer. Parce que nous avons des difficultés majeures pour nous entrer dans la racine du problème. Et nous vivons peur l'histoire. Nous tellement vivons entrer dans la dynamique que nous peur l'histoire, qu'à chaque fois que nous parlons de l'histoire, nous avons besoin de solutions dans le présent. C'est-à-dire nous avons un problème avec la temporalité. La chronologie nous échappe à tel point que nous perdons propre histoire à nous. Et c'est déjà une calence au niveau métaphysique et de l'esprit. Ou pas qu'à évoluer nos espaces, comprendre l'espace, sous penser que l'espace, ça va avoir une histoire. Sous penser que comportement ou tomber du ciel. Comportement va tomber du ciel. Choix politique ou va tomber du ciel. Mais c'est conséquences directes de yon enchaînement d'événements historiques qui expliquaient ce rien là. Si vous ne pas camper à un moment donné pour chercher à comprendre la racine du problème actuel, vous allez reproduire dans le futur. Parce qu'en réalité, la raison qui fait notre débat ça, autour du rôle diaspora dans le développement économique pays, c'est parce que nous partons du postulat que diaspora a changé ou bien a contribué quelque part dans le développement pays. Ce qui est tout à fait complètement faux. La raison pour laquelle, c'est parce que nous connaissons même au départ. Raison qui fait nous diaspora, à cette place. Nous pas diaspora, même j'ai avec tout notre monde diaspora. Nous diaspora parce que nous avons forcé nous créer une condition systématique, dictature économique systématique pour nous quitter le territoire. Nous forcé nous à l'exil. On a une grande humiliation. Et ceci, on comprend mieux, en quelque sorte. Majorité régime qui passent dans le pays d'Haïti, nous parlons que l'État toujours perpétué. Nous passons 22 constitutions. L'État, nature l'État pétionniste, a toujours été. Il est là pour servir l'intérêt des Mulas et des Tiro-Libanais. Maintenant, à qui degré n'est-ce qu'il y a qu'un bel État? C'est parce que n'est-ce qu'il y a qu'un bel État pour servir l'intérêt économique. Maintenant, on parle d'intérêt économique. On parle du fait que monsieur de la Tiro-Libanais, qui contrôle 80% richesse économique en pays. Maintenant, nous trouvons normal pour nous gagner. C'est là déjà une anomalie au niveau d'esprit. Parce que nous trouvons normal pour nous gagner. Et le pire, vous gagnez des intellectuels ou bien des hommes qui veulent les têtes économistes qui ont tenté de justifier la richesse générationnelle que vous gagnez. Sans que je ne pas poser cette question. Comment se fait-il que c'est toujours Milato qui est riche? Comment se fait-il que toujours ces Tiro-Libanais ont des pays qui riches. Au point que je ne dis pas, le parler de World Diaspora, le développement économique pays, de qui ça va parler en général? Est-ce qu'on va parler de développement pays? Est-ce que oui, la Tiro-Libanais, qui contrôle la richesse pays, ils ont vrai développement ça? Ou bien, est-ce que les conditions et géopolitiques et stratégiques ont réuni pour diaspora jouer effectivement le développement économique le pays? Ça, c'est une question fondamentale. Qui est qui veut l'autre pour venir développer? Si la Tiro-Libanais n'est pas d'accord, pas voulu pour développer, pays à développer. Parce que qui dit développement? Dit que Haïti vient paraître comme un modèle. Qui dit développement économique? Dit que si les gens viennent accès pour manger, pour le boire bien,
pour vivre dans de bonnes conditions. Mais est-ce que c'est la volonté des nègres qui gagnent l'argent dans le pays qui est le contrôle économie pays? Est-ce que c'est ça oublié? Maintenant, vous voulez présenter diaspora comme étant une forte économique alternative. Maintenant, l'autre dit diaspora, qui sont vous voulez dire par là? L'autre dit diaspora, vous voulez dire un groupe monde qui est éparpillé sur un territoire étranger, il a chassé des territoires à la caillou. Il y a des liens d'affiliation, des liens d'affectif, des liens culturels, des liens économiques qui ont développé. Mais qui vient nous contribuer? Est-ce que nous contribuons de façon collective, dans le sens qu'à travers une structure que nous mettons en place et puis nous placer des fonds et puis nous dit nous allons investir de façon collective dans tel secteur, dans telle infrastructure, dans tel domaine économique en dedans pays? Non. Tout dans le monde disparate. Il y a qui en France, au Canada, aux États-Unis, Chili, Brésil, ce domaine qui est éparpillé à travers le monde et qui capable de répondre avec ses besoins familiers. Au moins, vous avez une famille, vont ils comme Bali, à chaque fois qu'il y a une nécessité. Mais maintenant, posez cette question. Là, vous avez la diaspora. Vous avez 20 milliards de dollars en dedans pays. Qui peut-il passer? J'ai passé le vin jeune exactement les mille après au Libanais. Parce que politique néolibérale qui en dedans pays, lui visait exactement à faire d'Haïti un pays de débouché économique pour les États-Unis et pour la République dominicaine. Pas de menti de là. Ça veut dire même les diasporas ont envoyé des milliards de dollars dès qu'ils ont créé une condition pour comme ça toujours aller dans la consommation. Les comme ça, parce que ma famille, ou maman, petit tout, vous voyez comme ça, qui ça va faire? Vous allez acheter 10 riz. Mais qui dit vous allez acheter 10 riz? 10 riz, mami. Qui pourrait vous acheter 3 mami? Qui blé vous allez acheter? Tout ça vous allez acheter, c'est importé ou importé. Mais qui est-ce qui importe? C'est toujours cette classe élite menacée au Libanais qui met en place en économie de commerce au détriment de l'économie de production. Maintenant, est-ce que son choix qui fait de façon simple, non? C'est voulu planifier pour qu'il n'ait pas tête grenant, qu'à tomber dans la misère et puis pour toujours al passer misère à l'étranger, qu'à y voisin et puis qu'à y gardant pour venir travailler. Maintenant, si nous voulons honnête et rester dans la phase, dans quatre débats, c'est normal pour nous utiliser des chiffres profonds. Oui, 20 milliards, 4 milliards. Et puis là, nous garder dans la réalité, nous, elle va pas résultat, nous ne va pas rien. Mais c'est pas ça que font ça, t'es utilisé, t'es alloué. À qui fin il t'est destiné? Est-ce que t'es passé à travers une structure? Est-ce que t'es passé à travers un dispositif qui te prend de façon collective et puis qui t'est décidé de tel côté nous allons mettre? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cas. Et puis d'autre part, est-ce que mon projet réel pour Haïti sorti dans la situation y a? Est-ce que partenaire nous veut nourrir les hommes yo voulez Haïti sorti dans la situation y a? Est-ce que c'est pour les États-Unis la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti? Est-ce que ces politiques s'allient aller dans le sens pour le permettre à ce qu'Haïti développe? Ben a regardé Bill Clinton qui campait lui-même personnellement, vivait en devant Congrès américain, demandait à faire Haïti un pardon parce que l'écrasait production nationale pays d'Haïti, l'écrasait diri. On y a tout dit, on a mangé les sociétés comme ça. On regarde bien, pour qui raison nous mettez, ils ont imposé nous. Les organisations internationales, les institutions internationales, ils ont imposé nous, ils ont privatisation enragée, qui fait, ils ont crasé, jour et jour, tout ça nous a gagné comme entreprise publique. Qui ça nous a gagné? Côté ciment, d'Haïti, n'a pas acheté le déo. Côté, n'a pas acheté ciment, fait tout le bagage nous gagne en dedans pays. Nous avons gagné en dedans pays qui te peut permettre nous montrer existence au minimum. Yo crasé yo. Au profit de qui est? Au profit de la République dominicaine. Maintenant, il faut comprendre que qui est qui a intérêt pour Haïti rester une société au pays de consommation, un débouché économique. C'est les États-Unis qui sont premier partenaire à Haïti et c'est la République dominicaine. Il faut regarder balance commerciale Haïti avec la République dominicaine. Regardez balance commerciale Haïti avec les États-Unis. Maintenant, si vous voulez comprendre Wall. De façon effective, diaspora. Faut considérer par un médecin, oui. Et faut considérer par diaspora, l'autre dit diaspora. Est-ce qu'on va parler de une dynamique d'homogénéité, un seul acteur, une seule organisation qui parlait au nom de tout le monde? Non! Ce petit groupe monde, en réalité, qui disparaît, qui est éparpillé, indifférent, qui crée des petites organisations, et en quelque sorte, qui bénéficie des systèmes qui en place là, parce que nous divisons. Nous éparpillés,
Nous pas qu'à parler d'une seule voix. Un groupe monde vini au douce diaspora. Et puis, il y a des gens qui disent pas même pas consentement. Même diaspora divisée. Nous avons des positions. Bon exemple, pour me terminer, pour me laisser avancer. Je suis totalement de l'opposition aux États-Unis. Je viens rencontrer diaspora. Bon, finalement, tout le monde, oui, je m'en gâte. Il prend deux, trois, négocier prend deux, trois, mon chita avec, il y a acquaintance avec en Haïti. Et puis, on doit rencontrer diaspora. Mais ça, pour montrer, on prend exemple ça. Pour montrer, il y a une réalité de sortir de diaspora. Maintenant, c'est vrai, l'État prend $1.50 sur nous pour question fond. Maintenant, question, on va le bail de responsabilité de l'État, comment le manager fait ça, font ça, combien de bas comme ça. Non, il va bon. Maintenant, il faut comprendre Wizna. Pour finir. Wizna, c'est que monsieur Milati au Libanais, il ne peut jamais permettre pour diaspora, même l'État organisé, de tourner un concurrent sous marché à vous. Jamais. Un, pour qui raison? Ça va le montrer que si n'est pas fait besoin de quitter le pays à l'étranger, de tourner dans le pays à vous investir, je vais le montrer que c'est volontairement Milati au Libanais, il ne peut pas vouloir pays à développer. Je suis d'accord. Il a pris toutes conditions nécessaires pour empêcher. Et c'est ça qui fait toujours créer instabilité, bloquer pays, crise ouverte en fait là. Deuxième élément pour considérer. D'après vous-même, les États-Unis vont quitter la France, le Canada, pour quitter la communauté haïtienne qui est l'autre bord. Pour tout capitaux financiers gagnés, pour venir investir en Haïti, pour Haïti venir développer économiquement, pour Haïti venir tous nos concurrents sur le marché mondial. Et sur le marché mondial vis-à-vis de Saint-Domingue et les États-Unis. Pas oublier, économie Saint-Domingue, hein? C'est américain, canadien, anglais et européen. C'est eux qui contrôlent l'économie. Ça. Vous pensez que vous avez perdu intérêt à l'autre bois pour créer un marché concurrentiel vis-à-vis de production comme intérêt en République Dominicaine? Non. Au contraire. Il bon pour Haïti rester un pays, un espace, côté que c'est monde qui vous consommez seulement produits étrangers. Haïti n'a pas doué dans les yeux, Nexao, un pays de production. Production nationale a de lancer dans le pays d'Haïti. Et même si tu as une volonté de la part de la diaspora qui t'a organisé comme une seule voix pour recueillir des fonds, pour dire qu'on va investir en Haïti, et bien regardez pour nous, qui ça l'a baille comme résultat. Parce que faut voir comme ça retourne une jeune Onko Sam. Et comment pour retourner une jeune Onko Sam? C'est par le fait que nous en Haïti aurait été dans la misère. Famille, petit frère et madame, cousin, aurait été dans la misère pour une dépendance totale de vous-même. Et l'envoyer d'eau là en Haïti pour être capable à l'acheter. Non, mais, Milati au Libanais, qui prend d'eau là, ça, ils ont acheté encore aux États-Unis pour retourner vous en Haïti. This is the thing. C'est un cercle vicieux. C'est un site qu'ils ont créé. C'est une dynamique, c'est un projet qu'ils ont mis en place. Pour capable de gagner si nous avons notre situation qu'il y a là. Mais en tout cas, ça c'est pour PAM, c'est compréhension PAM, c'est étude non fait, c'est analyse PAM. Nous devons gagner des réserves, nous devons gagner des points. En tout cas, je vais laisser nos panels là parce que je connais que nous avons d'autres panélistes. Merci quand même. Merci beaucoup, professeur. Et n'a pas appelé tout le monde que nous gagnons avec nous à Soya, c'est professeur Lavoisier, et qui a participé à l'émission Parole Lakay, ou capable de relayer ou même qui a écouté l'émission en 347-353-1060, et n'a pas mis ou live, ou capable de faire commenter par ou by opinion par ou capable d'aller tout, télécharger à plan sur Google Play, et nous gagnons de app, ou capable de brancher et émission sans capable de suivre tout sous YouTube channel Radio 1, Radio Fanatique FM, nous live. Et nous avons tout rappelé et tout le monde que nous gagnons, on panel avec nous tout. Nous avons camarade Morange depuis New Jersey, camarade Jean-Baptiste depuis Georgia, Sam Lomond depuis Chili, et puis nous gagnons. Les amis, nous, camarades, nous, correspondants, nous, Reginald Foucan, depuis Haïti. Et nous avons demandé au professeur pour le capable d'aller au petit genre, coûte dans la réponse pour nous. Et si toutefois possible, capable de faire coûte, la pibo, nous permet que, en pile, question capable de poser à Soya. Et puis, auditoire, là, capable de participer tout. Nous allons faire place avec M. Panelicio. Nous faisons de manière tout en tant qu'on tourne de table. Et nous demandons si vous avez des questions et poser des questions. Et nous allons faire place tout de suite avec camarade Morange. Nous commençons avec elle. Nous disons bonsoir encore une fois à camarade Morange. Camarade Morange, souvent question ou capable de poser des questions avec professeur Akounia.
Merci Boule. Encore une fois, on a dit bonsoir à tous les auditeurs et on a dit bonsoir à tous avec professeur Lavoisier. Et après le professeur Lavoisier, je vous remercie. Et non seulement dans notre personnellement, et dans notre toute staff radio fanatique, et spécialement staff par la Kaila, qui pour discuter avec vous répondre à l'invitation. Et même de sa professeur Lavoisier, moi aussi, dans la classe là. Moi, je ne suis pas dans la classe là, dans l'université de Moutal là, moi, je suis en vie, je ne suis pas magasiné. Et moi, vraiment apprécié la façon que j'ai abordé, abordé question pour que c'est un peu matière là, moi, vraiment apprécié ça. Et pour ne pas faire trop de commentaires, pour que je la voyais, et l'autre côté, entré dans ce sujet là, vous avez parlé de les tireurs du Bagdad, vous avez parlé des de mulas. Et tout le monde connaît, les parents ont. Tout le monde connaît que M. Sayo, c'est lui qui est détenteur de l'économie en Haïti, c'est lui-même qui a dirigé Mayotte là, et ceci, c'est lui-même tout qui baille, qui permet de mettre le monde au pouvoir, de retirer le monde au pouvoir. Et vous avez posé le problème de M. Sayo comme un véritable handicap pour que l'autre monde, l'autre détenteur de capitaux, soit capable d'entrer dans l'économie haïtienne pour permettre que. Le ballon est là. Deuxième handicap encore te poser, ou te poser problème les capitalistes. Vous avez cité nommément la France, les États-Unis, qui ont démontré que la difficile pour nous avoir laissé des capitaux à sortir la caillou, pour avoir laissé des capitaux à sortir la caillou, pour permettre que Haïti développe. Et c'est clair, nous utilisons les grands anciens présidents des États-Unis qui ont considéré Haïti comme. Comme la cour, la cour qu'on est la canoule, derrière la cour, c'est pas la nourriture de la dette. Et qu'on a été considéré, il était considéré Haïti. Bon, projet, effectivement, vous posez des problèmes, nous existons, tout le monde voit, mais nous ne pouvons pas arrêter ce problème seulement. Même si on crée celle-là, on va nous deux gros handicaps, deux gros barricades, qui va me permettre que, même si diaspora, bien que vous deux handicaps sur eux, que nous pas gagner, on diaspora qui organise des qui constitue un poste économique, côté que nous avons partie d'un poste économique alternative avec Tiro Libanais. Nous pas gagner ça. Mais dans le cas où nous pas gagner ça à projet, qui ça, ou même en tant que professeur, non seulement professeur, c'est un mouvement qui sont pensés, qui un, deux, qui t'a fait pour que nous puissions traverser barricade par eux. À savoir les mulattes, les Tiro Libanais, et encore, États-Unis, la France, qui c'est le pays capitaliste, qui n'a pas voulu que nous-mêmes, nous sortions dans la race que nous y là. Qui sont pour t'arriver comme élément de solution? Et premier élément de solution, c'est permettre que nous prenions conscience que, avant même que dans la situation, ça, le premier travail que nous fait, c'est un travail de colonisation mentale pour permettre que vous acceptez la situation. Et colonisation mentale, c'est-à-dire que vous définissez un cadre référentiel. Ça veut dire que l'Occident, en quelque sorte, vous pensez pour. Ils sont en quelque sorte les producteurs de modèles. C'est eux qui construisent modèles pour. Maintenant, ils construisent modèles pour, c'est-à-dire au niveau référentiel, au niveau de la métaphysique, ou pas libre. Parce que, en quelque sorte, cadre référentiel, c'est l'Occident. Maintenant, façon de parler, façon habillée. C'est-à-dire que vous venez d'une façon que vous venez d'un problème avec votre tête pas. Parce que vous avez un modèle. Et le modèle, ça, c'est imposé. Mais il n'est pas imposé de façon physique. Et pas une forme de colonialisme, côté que présence n'est directe. Et il est obligé d'imposer à travers, bien entendu, ce qu'on appelle les appareils idéologiques. Et c'est tandis que, faut y mettre ou nos conditions mentales pour accepter la réalité système non comme telle. Et à chaque fois qu'on arrive dans une dynamique pour changer, pour faire résistance, maintenant vous savez que vous activez l'appareil idéologique pour diaboliser. Et vous voyez, vous commencez à diaboliser, vous voyez même peuple ça, en quelque sorte, et les aliénés, les classes moyennes, pour venir paraître comme un véritable obstacle au changement. Maintenant, il faut comprendre que. Ça qui est important, hein, ce n'est pas changement, non. Mais ces mécanismes sont mis en place pour bloquer le changement, en réalité.
Parce qu'à chaque fois qu'on a une dynamique de prise de conscience, par exemple avec le mouvement noiriste, qui était accouché du matin estimé, il fallait que Paul Magloire, que Blanc vini, Américain vini pour un coup d'État, pour empêcher le mouvement noiriste de prendre des bagages. Même bagaille n'a pas passé avec Aristide. Aristide va arriver, bien entendu, en 1991. Bon, changement pour être soufflé. Il fallait, bien entendu, un cédrasse pour bloquer ce changement ça. Nous parlons de tout monsieur ça, en quelque sorte. Nous parlons en 2004. Il fallait un Guy Philippe pour bloquer le mouvement ça. Le changement ça. Nous parlons aussi, arriver là aussi, dynamique, chaque fois que tu n'as la tête de Nabat pour le sortir, en quelque sorte, toujours gagner un frein. Mais, l'important pour m'étudier frein ça, la majorité des gens qui constituent frein ça, c'est pas en quelque sorte des acteurs de toucher avant eux là, c'est-à-dire blancs, de côté de la communauté internationale du monde occidental et militaires libanais. Mais c'est plutôt la classe moyenne aliénée. La classe moyenne aliénée, c'est Tinek Batet Green qui toujours pensait s'il ne peut pas parler français, il n'y a pas de monde. C'est Tinek Batet Green qui toujours pensait que s'il parle étudier en Europe, aux États-Unis, Canada, les papes qu'on est. C'est une égouette de grande cadre référentiel. C'est l'Italien même vino Mila, l'Italien même vino si au Libanais, l'Italien même aller en France, l'Italien même au Canada. Mais comment? Posez-vous cette question. Comment tu mets ça à arriver dans le niveau de ça? C'est ça, René. Voir l'appareil idéologique. En réalité, je construis un modèle, je construis une subjectivité pour tu mets de ça à travers l'école. Par exemple, si on a l'école, je fais le comprendre s'il ne parle pas les français, il ne parle pas la mode. Maintenant, si on a fait 95% journée, ville quotidienne, la parle créole, il a carré par les créoles à mon monde, il a la parle créole à papa, là il joue c'est en créole, lui même rêve, c'est en créole, il rêve, mais qu'on vive l'école là, un petit temps pour le faire, il a imposé le français, lui, langue, la étudier l'histoire pays en français, tout ça l'a fait en français. Maintenant, l'autre a essayé, remettre en question français ça. Vous dites non, écoutez, on peut créer un lapito, on essaie de valoriser. Vous pouvez jouer le même groupe, aliéné ça, zizi ça, vous pouvez venir comprendre pas ça, parce que c'est un problème d'identité. C'est à travers langue colon français, vous voulez exister. Et ça, c'est un problème d'aliénation. Deuxième élément pour apprendre à connaître. Ce n'est pas pour cette raison que tu n'es pas dans la tête, non. En quelque sorte, tu devrais bloquer le mouvement ou bien vos changements. Le petit nègre noir fait grenade menée. Pour qui raison? C'est lui-même qui va le camper comme opposition. C'est lui-même qui va le camper comme obstacle. Mais quoi pour voir que c'est Milanci au Libanais avec quoi groupe, avec blanc, hein, qui cache derrière avec ça. Mais en réalité, c'est toujours la même dynamique d'aliénation ça. Il contente elle pour le montrer, monsieur Leblanc, tellement envie, sembler à Milan, tellement gros problème de t'en aimer et sembler avec et blanc. Comme modèle, comme cadre référentiel qu'elle gagnait, qu'elle besoin afficher à elle, du préféré détruire quand on fasse propre Tinek dans tête graine par Elia, rejeter Créole là, et puis camper face à l'eau pour empêcher changement en fait. Maintenant, l'on s'apparaît tout dit comme ça, non, écoutez, monsieur Milat, vous faites camper sur le Libanais, pour nous faire un bagage, monsieur Blanc, Blanc Américain, premier obstacle, monde qui peut camper devant, c'est Tinek dans tête graine ça. Tinek dans tête graine ça, c'est lui-même qui gagne master, c'est lui-même qui gagne PhD. Mais il n'est pas questionné dimension colonialité qui vient dans sa voie là. Il vient chita là, il va même poser cette question comment connaissance le produit et qui finalité connaissance il prend. Il n'y a pas attendu dans le pays d'Haïti, il s'est plus gros économiste. Comme si les États-Unis, le Canada, la France, qui s'est ancien empire colonial qui était gain dynamique extravagante, il n'y a pas pour être à connaissance et puis pour entrer dans le pays pour venir développer ça. C'est pour ça vous prendre. Mais oubliez un bagage. C'est que les Américains font un bon diplôme, hein. La France font un bon diplôme en Haïti. Premier bagage, ils font son titre au bas, et puis ils viennent imposer, parce qu'ils ont une garantie que diplôme ça, en quelque sorte, qui pour vous, c'est un honneur, c'est un privilège qu'on joue. Mais dans 10 000 ans, les yeux blancs, ou même si les gars regardent, bon, on arrive pas. Diplôme, non, ça, je l'ai dit, pour eux-mêmes, c'est que c'est bien assimilé. Ou bien effrayé, parce que pas d'éducation sans idéologie. La connaissance est toujours située. Et le problème qui se pose dans un nègre apparaît en Haïti, ou par exemple, il va le parler de Montesquieu, il va le parler de Hobbes, de Locke, de ceci, de cela. Et puis il va le descendre, il va le parler. C'est-à-dire, cadre référentiel, nous, les problématiques.
Maintenant, nous inscrits, nous avons une dynamique, nous-mêmes, au niveau du mouvement Boussala, notre dynamique de décolonisation mentale. C'est-à-dire que nous besoin de nous apprendre, nous elle est le beau sale pour qui raison, parce que nous voulons, nous besoin à joindre le monde qui est en dehors, pour nous faire aimer couleurs, pour nous faire aimer langue créole, pour nous faire aimer petit mien, pour nous faire aimer maïmoulin, pour nous faire apprendre, apprécier tête. Je n'ai pas besoin de cadre référence qui a mis la tio libanais. Je n'ai pas besoin de chita sous table. Même j'ai mis la tio libanais pour manger. Les Africains, comment c'est fait? Yo chita ensemble, yo conserver culture, yo valoriser radio, yo mettez tête en valeur. Je n'ai pas besoin de modèle, milat blanc pour yo exister en tant que monde. Je n'ai pas besoin de cadre référentiel là. Maintenant, nous autres, au niveau de mouvement ça, nous pas seulement là pour nous travail de décolonisation, mais aussi nous montrer tête nous en dynamique de production de référence. Nous aussi entrer tête nous en dynamique de production de connaissances qui, en quelque sorte, prend réalité nous, si nous avons tête green, en Haïti, pour nous bâtir ce qu'on appelle une épistémologie typiquement haïtienne qui dosait de ce qu'on appelle une dogme nègre. C'est ça, n'a fait là. Et c'est dans la bataille que ça nous instruit, tête nous. Du moment que nous avons commencé pour être conscient de réalité, de système qui est en place, de chaîne qui est dans l'esprit, moi, c'est que je n'ai pas besoin qu'on y a à l'doukoko, je n'ai pas besoin qu'on y a la honte de l'encréole là. Je n'ai pas arriver non point pour y avoir honte de bagaille. Et les politiciens qui ont venu, pour y penser qu'on va venir avec Titol, Timay Moulin, Tiblé, qui sait qui dit ripoté baïo en dehors, puisque ils ont conscience de eux-mêmes, politiciens, qui ont quelque chose de ces outils privilégiés, mis là au Libanais, pour perpétuer le système, non? Peuple là, en quelque sorte. Moun sa yo qui finit décoloniser mentalement, qui comprennent, bataille là, je vois le baïnex en résistance majeure, je vois le camper par ça, et c'est pour la première phase d'un processus de libération. C'est pour accoucher une nouvelle société, ça, nous devons accoucher. Merci, professeur. Et nous sommes sorry, nous obligés d'aller vite. Et nous seulement arrêté 30 minutes là maintenant. Et nous avons une majorité de panélistes pour poser des questions. On allait tout de suite, professeur, et, s'il vous plaît, allons-y, j'en coupe pour nous. Et pour nous capables, monsieur, bye, monsieur, et poser des questions. On nous prend un camarade Foucan depuis Haïti. Camarade Foucan, sous une question, on peut aller cogner pour professeur. Et merci camarade Félix et nous remercier et fidèles auditeurs d'écriture qui branche émission et nous remercier et professeur Lavoisier Cherizier Junior et nous profiter occasion ça pour nous saluer Béoti parce que Béoti ben nous en pile bourrette pour nous jeune professeur et Cherizier Lavoisier Junior pour être capable avec nous à suivre une émission par la caille. Bon et moi tendu avec attention et intérêt ou faire des séries analogies qui vraiment sensées et sensibles autour des réalités socio-économiques, politiques pays. Et surtout avec ça n'a fait face comme une situation cruciale actuellement là dans le pays d'Haïti. Ou font aller côté en réalité nous un pays polychromie, mais économie a pour autant les monochromie. Et genre thématique là est campé et campé déjà. Nous carré mais qu'on est dans situation ça via avec ça au camper comme idée comme zame comme outil pour comment on peut déchaîner l'esprit en pile ou bien majorité haïtienne à un moment là qui en bas chaîne c'est comment nous et bon côté pas et étant donné que on constate faiblesse diaspora dans la logique qu'ils n'ont pas organisé, ils ont éparpillé, ils ont arrêté un mouvement indépendamment des intérêts ou bien dans le monde qui campait le mouvement. C'est comment, dans la diaspora, nous avons sensibilisé la diaspora à notre dimension opère pour faire en sorte que la majorité de la diaspora soit connectée pour porter contribution solide ça qui est prôné pour faire un impact extraordinaire pour porter changement que on va gommer pour lui dans pays d'Haïti. Et merci quand même et très bonne question. Tout d'abord, on fait et font donc que diaspora a commencé à prendre conscience il y a quelque sorte à partir de réseaux sociaux qui ont véritables outils
pour nous capables reach et jeune et permettre nous et message arriver jeune monde sans réseaux sociaux comme tu as dit que je ne jour dire nous même diaspora l'état difficile pour nous réunir forme de tout que l'école université Bossala en quelque sorte nous fonctionner sur de façon virtuelle c'est-à-dire à travers Zoom à travers live on connaît tout aussi que nous nos dynamiques pour nous mettre nos outils en place qui c'est Radio Bossala et notre travail commission et d'implantation qui là pour implanter radio elle commence à travailler pour arriver déjà arriver fond ça déjà beaucoup que nous vivons élevé fond pour nous mettre radio déjà ça montre que diaspora en quelque sorte est intéressé à mouvement intéressé à dynamique hein. Et nous besoin nous vivons dans dynamique aussi pour nous capables mettre en place et ce qu'on appelle organiser des congrès de façon à ce que et à travers l'école ça nous inviter des conférenciers de personnes qui pourraient pas venir par point de vue et élargir l'espace là pour nous permettre à ce que des échanges capables fait pour nous capables d'identifier contradictions et puis pour nous identifier aussi les éléments de comme nous gagnons maintenant pour faire nous comprendre que même les gens dans diaspora ils veulent pas payer mais avec les nouvelles technologies des possibilités bien entendu pour créer une synergie autour de réalité ça même là que nous avons des divergences qui doivent être des divergences de méthodologie des divergences en termes d'approche mais nous créons que nous sommes d'accord que nous représentons une force collective en tant que diaspora et communauté. Et nous-mêmes nous prêts pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de faire une réponse. Maintenant, ce qui est important, pour nous arriver à faire un travail comme ça, il faut nous créer que il y a une diaspora qui est beaucoup prêt pour nous, en quelque sorte, quitter avec quelques petits privilèges mesquins. C'est la diaspora pas homogène. Et au moins, je suis bien, puis, gagner en diaspora, à chaque fois par une élection, ou quoi, ouais, diaspora va diviser. Parce que, en réalité, l'impact, classe politique, là, j'en divisé, elle est reflétée aussi sous diaspora. Ou alors, gagner qui va le dire dans diaspora, c'est tel groupe nous nous parti, c'est tel groupe nous nous tel parti politique, tel ceci, tel cela. Et ça, après, il créer une sorte de dissension, qui va constituer un obstacle pour empêcher nous, parler comme un seul monde, comme une seule femme. Maintenant, pour arriver là, il faut nous montrer sur ça que la politique traditionnelle nous gagne en Haïti, il faut diaspora comprendre que solution pas dans la casse politique traditionnelle. Ça. Et c'est une illusion qui a bercé tête. Si vous pensez que la classe politique traditionnelle ça, a apporté un changement dans la tête l'État pétion, ça, c'est impossible. Et yo wel réalité a, yo wel yo vivli. Maintenant, cette prise de conscience doit traverser yo pour dire non, je ne jodi, hein. C'est nous-mêmes qui pouvons organiser nous en tant que force, pour nous mettre les têtes nous ensemble, pour nous commencer à rejeter mode de politique, ça, que classe politique traditionnelle l'a fait, hein. Et puis nous-mêmes pour nous accoucher une alternative autour de nos visions, autour de nos projets, et puis pour nous dire, bon, mais ça nous-mêmes nous proposer. Et ceci étant dit, travail, ça doit passer à travers des outils, des mécanismes de sensibilisation, côté que nous prenons cibler, bien entendu, couches les plus défavorisées, monde qui en dehors, pour nous faire conscience, et puis pour nous entrer, parce que chaque monde qui a contact avec la famille. Si chaque diaspora a accès à la famille, nous pensons que à ce niveau, mon travail qui a fait, c'est chaque diaspora essayer d'entrer dans la dynamique. Pour le transmettre mes salsas, pour le permettre mes salsas d'arriver à une famille, ben c'est mon travail déjà, qui pourrait le faire de sensibilisation, pour permettre aux gens d'avoir accès à travers technologie, à travers les outils qu'ils ont, pour les téléphones, pour avoir accès à mes salsas, et puis pour le travail de sensibilisation, de décolonisation mentale là, comme on sait. Maintenant, pour ce qui a trait aux obstacles internes que diaspora a confronté, il est vrai que nous conscients que on diaspora a descendu dans l'investir au manger. De diaspora qui a investi en Haïti, qui a kidnappé. Mais si diaspora a quelque chose organisé en tant qu'on structure, en tant qu'on corporation, en tant qu'on force, et puis nous prêts pour nous mettre des fonds, nous force ça, nous prêts pour nous mettre des structures, des personnalités responsables de structures ça, et puis automatiquement, nous
créer ce qu'on appelle un espace virtuel, quel que soit au Canada, en France, aux États-Unis, ou qu'à toujours voter, et puis nous créer un dynamique côté que pour nous choisir le monde qui pourra aller représenter notre structure, ça, c'est seulement à travers structure, ça, nous pourrons voter des fonds. Même quand on a voué 10 dollars, par exemple, on retire 5 dollars pour mettre dans le fonds, ça. Et puis, automatiquement, au lieu de voter 4 millions de dollars, 4 milliards de dollars, by famille, ou en Haïti, qui est pas pillé 4 jeunes milliards, ou dégager, ou voyons 2 millions, ou 2 milliards, bah, pour reste 2 milliards là, ou fongeons, mettez-le dans structure, ou qui ont appartenance collective, et puis à partir de structure, ça nous décider pour nous entrer avec force, donc pour seule personne, pour nous poser une action concrète en dedans pays là. Sans ça, pap dit nous, accueil de nous voyons jeunes à partir de famille nous. C'est-à-dire que, non seulement on a des structures qui viennent avec des fonds pour aller investir, pour créer du travail, pour redynamiser l'économie pays, mais aussi relancer la production nationale, pas vraiment dans le sens que pour une concrète, whatever it is, ça je ne t'apparaît, mais aussi nous des familles, nous, sur le terrain, que nous avons sensibilisé, mobilisé pour accompagner nous dans le processus ça. Pour permettre à ce que nous-mêmes, si nous sommes dans nous construisons quelque chose, nous relancer, nous valoriser tête, nous revaloriser les terres, nous valoriser la production nationale, nous investir, mais avec appui financier que nous-mêmes, nous réorienter dans la diaspora capitale, ça, au lieu de nous voir de façon dispersée. Moi, c'est son bonne stratégie pour l'instant, mais nous connaissons bien l'état pétition avec les Émirats libanais, ce n'est pas impossible. Mais cependant, il doit faire avec avec un pile dynamique, avec un pile prudence, avec un pile sérénité, de façon à ce que font ça, est capable d'aller à destination et arriver et créer les conditions nécessaires pour favoriser l'épanouissement de Tinegwate de la communauté haïtienne. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Et on nous fait place tout de suite avec camarade Jean Segou depuis la Cochilie. Camarade Jean Segou. Merci beaucoup. Et qui te nous dit un gros merci avec invité, hein, qui c'est professeur Lavoisier. Donc, comme c'est Jean Segou Salomon, alors moi, suivons dans le pays Chili. Question par maintenant, il peut être capable de deux volets, comme ça, tout le capable d'aller dans trois. M'a éliminé quelques mots pour question, papa est trop long, de façon à ce que nous ne prenons pas trop de temps parce que l'air n'a pas passé sous nous. Qui te félicite au professeur et moi tendu avec un pile attention, surtout dans l'historicité question qui mène nos côtés, nous les journées, je vous dis. Alors, première question, m'a demandé où est-ce que l'université Beausalan a atterri dans le pays d'Haïti. Et deuxième question, nous souvent entendons en pile haïtien répété, yon problème identifié li résoudre à mentir. Mais à chaque fois que des réflexions, ça, moi toujours penser avec problématique rat qui a souhait là plus chat là. Yon identifié problème là, chat là qui a mangé yo. Alors, yon pensé à solution qui se mette yon cloche dans le chat là. Mais qu'on y a, y a pas de jambes qu'on est, si faut qu'il y a un monde qui pourra mettre des cloches là, dans le couchat là. C'est que y a des pensées, y a une solution pour le problème là, pourtant y a pas de jambes, y a une solution vraiment. Alors, maintenant, le professeur, est-ce que nous, c'est le premier monde qui identifie ce genre de problématique ça, dans le pays d'Haïti? Si c'est pas nous-mêmes, pour qui ça, nous pourquoi j'aime capable de résoudre tout? Alors, si c'est nous-mêmes qui identifions pour la première fois, comment nous pourrons le faire pour nous résoudre ce genre de problème? Parce qu'il n'y a pas d'acte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le résultat qu'on a besoin qui cause nos côtés. Merci, professeur, pour répondre au problème. Right. Vous touchez une question, un élément fondamental, mais si nous permettons, nous allons obliger à porter, chercher réponse. Non, non, côté ou pas vraiment, peut-être pas vraiment, attendre. Pas le monter au niveau de métaphysique avant pour comprendre. Y a-t-il des problèmes, non? Côté solution en sortie. La solution, en quelque sorte, c'est que les conditions en nouveau pays à là, en quelque sorte, les avant tout problème, non, c'est au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau cosmique qui posait. Maintenant, pour nous qui parle vraiment bien aimé de réalité, ça, c'est que la constitution de 1805 de Dessalines
il y a une reconnaissance qu'elle fait. Et puis Saline était clair, il reconnaît que nous qui battons l'indépendance, c'est l'être suprême. Maintenant, lorsqu'on fait une mauvaise lecture des raisons que Dessalines t'a adressées et by constitution, ça a un fondement métaphysique dans la personne de l'être suprême, ça. Des raisons, ça, si nous écartons de lui-même, c'est lui, en quelque sorte, qui nous dit nous là. Mal par un exemple très simple pour tout le monde. Et c'est ça qui fait que l'histoire a répété tête lui. Nous toujours à bataille avec une des solutions, mais bouche-moi cassé. Parce qu'en réalité, l'État Pétion, à l'État des Salinières, il y a le même fondement métaphysique. L'État Pétion, il y a un fondement métaphysique qui est ancré dans ce qu'on appelle le cadre référentiel métaphysique occident. L'État des Salinières, il y allait au-delà. Il allait dans la suprématie ontologique de Dieu. Ça me dit, voilà. Il y a une raison qui fait que révolution haïtienne n'a été faite. C'est parce qu'en quelque sorte, nous te recevons en visite. Et Saline te recevons en visite. Une visite cosmique. Et en plus, nous n'avons pas prêté attention, il faut comprendre qui c'est vous. Non, il va ouais. Nous allons montrer nous la raison. Lorsque nous prenons un petit nègre dans la tête de Grenio, dans différentes tribus, nous menons en dedans, colonie. Ben, yon connaît bien, avec l'appui de l'Église catholique, yon connaît bien, moun yon te parlé différentes langues, dialectes, et yon connaît que te gen différentes croyances. Gen te gen ti loi un tel, ti esprit un tel, ti esprit tel, chaque tribu te gen ti esprit qui est attaché à elle. Maintenant, diversité ça, et division ça a vint créer, c'était l'équation que Nego était supposé résoudre, ancêtres nous étaient supposés résoudre. Faut arriver à transcender diversité linguistique, dialecte qui a gagné. Et pour arriver à transcender diversité qui gagnait entre petites croyances fétiches qui ont gagné. Ça nous relève. Il s'agit de dire, on a parlé vaudou, 21 nations, ceci, cela. Ceci étant dit qu'ils ont compris que, ben, ils comprennent que, au niveau métaphysique, si Nego n'a pas gagné, pas organisé. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'unité transcendantale au niveau métaphysique. Pas de référence au niveau métaphysique. Maintenant, division, ça constitue un blocage. Et blocage, ça, il fallait que l'origine pour prendre conscience de lui-même. Et c'est à partir de prise de conscience, ça qui fait que les suprêmes bayou ont tant cosmique qui sont période de 3 ans. 300 qui ont période de 300 ans. Parce qu'il a fallu 300 ans pour nous prendre conscience que si fétiche ou t'es sorti avec l'on en Afrique, diversité linguistique ou sorti avec en Afrique, pour prendre conscience que yon constitué une réalité esclavage là et coloniale là, yon obstacle majeur. Et ceci, c'est ça que vous comprenez qui fait yon premier outil pour yon construit, c'est langue créole. Yon transcendé. Langue dialecte, je construis langue créole là qui fait qu'il faut communiquer. Deuxième outil que nous avons arrivé à partir de force, langue créole là, je vais nous rendre compte une dynamique de communication qui vient, que nous sommes conscients de la réalité. Il y a vivre la condition et nous ne pouvons pas sortir la donne. Tout autant, nous avons griffé force obscure que l'Occident. Esclavagistes, colonialistes sont représentés. C'est à partir de crise existentielle, ça. Crise, ça, que conscience, yo, vient ouvrir, que yo recevoir la visite. Visite, ça, qui se visite direct de l'être suprême, non, pour dégager ce qu'on appelle le zoé politique en dedans. Yo, messager, qui c'est la personne de Dessalines, et lui-même, qui va incarner l'esprit christique, là. Qui c'est ça ou les libérations. Alors, pour comprendre mieux la dynamique, ça, c'est parce que colonisateurs, ils ont venu sous le nom Jésus avec christianisme, mais motivation et intention, ils pas pire, ils étaient contraires avec l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, c'est sous la moule Chita,
l'ordre cosmique, c'est sur la vérité et la justice qui chita. Maintenant, l'esprit ça, qui t'est animé, l'empire colonial, pour te mettre des tinèques matérielles green, de conditions déshumanisées, essayer de détruire l'imago d'Ei, qui émane création qui la caillou, pour permettre que l'on capable d'aimer dans l'esclavage, il a fallu que cette crise de conscience manifestée pour que dans la dimension cosmique, là, l'être suprême n'en vienne lui corriger des équilibres cosmiques ça, qui manifestaient à travers ce qu'on appelle la haine vis-à-vis de Tinek Matek Green, qui créait à l'image de Dieu, produit direct de d'Imago Dei. Maintenant, il fallait qu'une intervention, et cette intervention ça, qui pourra constituer ce qu'on appelle par résultat miracle, ouais, je ne dis pas que le monde occidental va qu'à comprendre qui est la révolution haïtienne. La révolution haïtienne, je considère que c'est un accident. Et les forces des ténèbres pourront faire tout ce qui est dans leur non pouvoir pour manquer un bêtine de ma tête grenant pour ne pas arriver à résoudre problème métaphysique là. Et c'est peut-être ça que vous avez tué des salines. Maintenant, pour me terminer, tout autant, nous mettons racine indépendance là. Avec Vaudou, c'est tout autant, nous faites commencer à contrôler l'esclavage. Parce que l'on fait dire, l'on diagnostique, on fait cartographie Vaudou, la dimension ethnologique, plus problématique en soi. Mais pour une raison. Mais au départ, il faut une anthropologie, une bonne anthropologie. Pour pas qu'à retracer racine métaphysique avec des animaux, ça va exister, sur le plan spirituel. Pour pas qu'à retracer racine métaphysique avec un serpent qui glissait d'embarras, ou à des restes, il est impossible. Le jour fait ça, c'est qu'on reconnaît la supériorité de l'animal sur l'humain. Mais pour reconnaître la supériorité animale là, sur vous en tant que être créé à l'image de Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans le monde. Parce que vous renoncez à l'humanité. Vous renoncez même à ce qui est plus fondamental là, qui est l'image de Dieu, l'image de Dieu. Et de pour entrer dans la dynamique ça, c'est notre saleté seulement pour vivre. C'est dans mauvaises conditions parce qu'on reconnaît que l'animal là, le supérieur, les puissants passants et le mettent dans des conditions pour dégrader l'humanité. Vous ne pouvez jamais valoriser la vie, vous ne pouvez jamais valoriser le corps, vous ne pouvez jamais valoriser vous-même en tant que tel. Vous pouvez toujours être frère. Donc, vous pouvez pour le coup de poudre, pour le coup de mort, pour détruire, pour zombifier, pour lever le travail. Et c'est ça l'Occident comprendre. L'Occident vini, il crée ce qu'on appelle une reverse psychology. Vous voulez psychologie au niveau macro qui s'allie. Il faut comprendre que c'est le christianisme qui met en esclavage. Oui, c'est le christianisme qui met en esclavage. Mais ce n'est pas le Christ. Et c'est ça le piège cosmique là. Parce qu'en réalité, le christianisme, c'est une religion que l'homme blanc, avec constanté, construit, l'a bâti, c'est une invention humaine. Mais la religion pure et simple que Jésus établi, c'est l'amour. Maintenant, comprenez bien ça, me dit là. Il est impossible pour sortir de la situation qui est là, si vous ne comprenez pas la racine métaphysique qui est fondée sur l'amour. Dieu est un être suprême, doué d'amour. Il est amour. Maintenant, comprenez bien. L'on dit Dieu blanc, le doux Dieu blanc, Dieu européen. Non, pas bien blanc qui est Dieu. Pas un blanc qui t'a créé Dieu, pas un blanc qui vient avec Dieu. Ils ont approprié le délit. Et puis ils ont créé conditions pour faire comprendre que c'est en quelque sorte c'est eux-mêmes qui portent le bas. Il pas forcément vrai. Parce que si vous remontez la nature humaine, pour regarder les problèmes qui viennent dans vos doigts, vous allez chercher le premier homme noir. Parce que si vous faites le culte des ancêtres, vous dites ok, m'a fait le culte des ancêtres. À honorer cette noyau. Il va poser un problème fondamental, oui. Qui était le premier des ancêtres? Qui premier homme noir qui a existé dans le monde? Plus problématique,
le premier homme noir ça qui existe là. Vous pouvez poser, avant fait culte, premier homme noir ça. Comment des premiers hommes ça, noir ça, comment il fait venir à l'existence? Il faut poser problématiquement pour du premier homme noir ça, avant fait culte des ancêtres, avant d'entrer dans la pratique ça, faut me connaître la racine métaphysique premier homme noir ça. Comment il est venu à l'existence? Qui peut le sortir? Est-ce que c'est créé, le créé? Ou bien est-ce que c'est singe? Mais les tendances singe dit sortir. Faut une clé sur ça. Si vous parlez du problème anthropologique ça, pour comprendre généalogie, dans cette nous, je vous l'ai dit, hein, pour remonter l'existence, l'apparition de la vie et de l'espèce humaine, à Dieu, du problématique, à you et suprême. Et c'est exactement ça, c'est des talines, comprenez-vous? Des talines claires sur ça, les claires dans la Constitution 1804 là, parce que pièce, l'autre esprit qui te camette le déjeuner par rapport avec bagay ta blan yo, vin pote ba yo a, ak sou nou christianisme nan. C'est seul l'être suprême qui pou décaper ça, qui créé yo a, qui pou reconnaître que c'est à image de créer pour faire un travail comme ça. Et c'est peut-être ça, il lui dit, être suprême ça. Parce que pour être ça arrivé, mettre à genoux, utiliser l'antination, l'antipeuple, l'antigroupe esclave, pour combattre gros empire colonial ça, qui te gagne des âmes puissantes, vis-à-vis de météo à genoux. Et pour conserver l'indépendance, il a fallu, bien entendu, la visite d'un être cosmique pour corriger force ténèbres, expression de haine, parce qu'ils ont violé l'ordre cosmique. Ils ont venu sous nos Christ, ils ont venu avec christianisme, ils ont venu avec catholique. Il faut comprendre que c'est Christ. Et Christ est étant dit, il y a vini dans l'homme. Faites attention. Effectivement, c'est ça l'Église catholique fait. C'est ça le christianisme fait. Il y a vini, et c'est le rusé, le rusé cosmique, là, toujours, esprit cosmique, rusé, c'est ça le fait. Il vini sous forme ça, de quoi pour le cas, rien nous mette nous en position pour ne pas jamais chercher racine cosmiquement dans Christ. Faut bien intelligence et discernement. Pour comprendre piège métaphysique, cosmique, que le monde occidental a mis dans nous-mêmes, dans l'esprit qui n'est pas dans nous. Et c'est ça que nous fous nous mandons rager dans le Kémitis, nous fous nous mandons rager dans le Kabbal, nous fous nous mandons rager dans le franc-maçon, nous fous nous mandons rager dans le Vaudou, nous apprenons dans le vrai bien égaré. Et c'est une raison que nous connaissons, tout autant que nous sommes dans la dimension ça, dans le côté que, au niveau métaphysique. Nous pas qu'à retracer racine, nous pas qu'à faire abstraction de taillorer les christianistes, les religions catholiques, pour entrer dans Christ même, qui c'est l'incarnation même de l'amour. Nous, impossible, parce que pour faire un travail de transcendance, pour surpasser, pour transcender le colonialisme comme phénomène, pour transcender l'esclavagisme comme phénomène historique, pour passer pour le christianisme comme production de leur volonté manifeste pour être capable déguiser, alors c'est l'ange de lumière en quelque sorte, déguiser pour être capable de corrompre l'esprit nous, pour faire nous pas jouer racine métaphysique nous, qui c'est l'image de Dieu, qui c'est l'image du Dieu invisible. C'est cette façon ça pour nous qu'on valait nous en tant que monde, ou pas qu'on valait en tant que monde, tout ton pari connaître que nous sommes créés à l'image du Dieu invisible. Ne joue pas ou pas qu'on est anthropologie ça, ou retracer ou même à un ou bien on baille en dimension animale supérieure sous vous, automatiquement on va connaître rien de ce qu'on appelle le bonheur. On va toujours en aliéné au niveau métaphysique. On va toujours en esclave au niveau métaphysique parce qu'on n'a pas une bonne connaissance, une bonne assise de guerre cosmique qui existe actuellement dans le monde là et comment le monde cosmique, le monde métaphysique fonctionne. En réalité, c'est ça que nous besoin d'avancer pour nous comprendre. Dynamique ça, ressources que nous gagnons, faut nous d'abord définir une anthropologie claire et nette pour retracer, pour capable retracer racine nous dans l'autre, dans la métaphysique transcendantale, côté que nous identifier force spirituelle supérieure ça, qui accouche nous, qui bat nous indépendance. Du moment que nous pas d'accord, pour nous renoncer avec bien pratique, et nous vendre nous comme exit pour nous sortir à nous bonnes. Il va exister.
c'est Wenawe l'autre pays, c'est Wenawe n'a subi domination, c'est Wenawe ni la tati au Libanais a dominé, c'est Wenawe blanc a dominé, c'est Wenawe en quelque sorte. Merci, professeur. Merci. Bon, malheureusement, nous gagnons un panéliste et nous n'avons pas encore question. Mais nous avons seulement 10 minutes. Et c'est la caille et Kamal Jean-Baptiste. Et c'est une question pour nous en l'autre. Et pour le faire moins 10, nous allons le professeur à 5 minutes pour conclure pour nous. Et 5 minutes seulement. Et puis l'autre 5 minutes, hein, nous-mêmes pour nous aller, parce que nous finir exactement à 10 heures. En réalité, vous mettez mes camarades là, opportunité, vous les mettez. Vous avez fait un peu, mais vous avez répondu dans deux minutes. Non, non, je ne vais pas question, je vais répondre, c'est quoi qui va continuer. Comment je vais dire, pour vous dire, vous posez une question, vous posez une question qui coûte, si la réponse vous avez répondu. Vous posez une question, vous posez une question. Moi, je dis merci à vous-même, monsieur Boule, et à professeur. Parce que moi-même, question, pas m'en d'abord aller dans ce sens-là, mais moi, l'idée, j'ai répondu, c'est seulement appuyer, c'est seulement on couche, pas balé. Parce que moi-même, plusieurs fois que nous, groupe monsieur Panel Sayo, nous toujours fait des discussions avant, même nous faisons émission, nous parler, nous élaborer, qui j'en ai pas fait. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans ce sujet, ça. Et nous sentons ça bouler dans moi-même. Et problème pays d'Haïti, il y a un problème simple pour ça, je ne comprends pas. Moi-même, personnellement, je m'attache avec un bagage spirituel. Il y a un problème spirituel là-dedans, parce que l'on regarde bien, ou qu'on est ça, n'a fait bien écoute pour nous faire fini. L'on prend l'histoire, peuple juif là, ou ka wè histoire nous presque identique avec eux. Là, regardez bien, à cause de méchanceté, à cause de criminalité, yo, à cause des gens qui ont servi bon Dieu, gens qui ont pris des idoles, qui ont pris des bagages, qui ont mélangé avec l'être suprême, non? Eh bien, qui ça bon Dieu fait? Il prend, il fait voler, aller en captivité. Fait venir prendre dans le pays, déporter, aller avec eux. Fait au passé misère, tuer, fait toute qualité bagaille, prend yo dit son juif errant. Nous, même haïtiens, nous venons tourner un juif errant, tout exactement même bagaille là. So, pour moi même, soit dit à lui réellement, c'est vrai que lié, moi appuyé à 100%, soit dit à. Merci. Et merci, je m'apprécie ça, et c'est dans le même esprit ça. Et vous m'avez tout profité, remercier tout staff et l'Université Boussala qui est toujours campé avec moi, supporte moi. Et d'une façon particulière, je vais remercier les camarades de Wendell qui est responsable pédagogique de l'Université. Et je vais remercier aussi tout étudiant qui est toujours là, supporte moi. Et dans l'école là, dans l'université, il y a très dynamique, ils posent un peu de questions, ils font des échanges, et ils aiment tout, comment nous collaborer. Et nous dit tout le monde tout, alors, faut me dire nous que nous avons une nouvelle session qui va commencer là. Et, ma compte, si vous permettez, nous avons dit ça, si ça va déranger nous, vous utilisez Canada. Ok, merci. Nous avons une nouvelle session qui va commencer là à partir de mois de semaine prochaine, dans le mois de décembre. Et n'importe qui qui t'arrive, mais venez étudier avec nous. Donc, vous pouvez toujours aller moins ou bien entrer en contact avec moi dans 516-406-4603. En tout cas, et m'a dit nous merci, et m'a remercié auditeurs, auditrices, radio et Fanatique FM, et m'a remercié vous-même et camarades qui et prendre le temps, bien entendu, avec toute patience que tu fais preuve de moi-même, parce que je suis très abondant. Et tu quittes quand même. Ah ouais, au cas où tu es abondant, vraiment, merci. C'est il faut m'en faire souvent chaque jour, mais tu m'as mais beaucoup plus concis, au moins plus précis, mais on connaît. Et son problème, l'aime rencontrer l'aime d'avoir étudié à Paris, parce qu'il est toujours à fond en quelque sorte, pour ou a fait une dissertation, vous baillez 25 pages, ou 25 pages,
ça vient mettre dans une situation pour développer l'esprit ou pour développer et argument, pour argumenter, pour structurer penser de façon cohérente, pour articuler tes ou bien, vous comprenez, so basically, moi c'est que, et moi je vous remercie, et moi je remercie nous toutes, et panel là, que vous avez trouvé tout à fait intéressant, et question tout est extrêmement pertinente, je te permets, moi encore une fois de plus, aller puiser dans le bagage que je gagne pour me capable d'apporter des solutions, bien des réponses que j'ai peut-être qui capable de favorable ou bien qui capable bien reçu auprès de audience là, auditeur, auditrice là. Et encore merci, merci beaucoup. Et je t'ai espéré que c'est pas dernière, comprendre, parce que porte m'a toujours été ouvert pour l'autre occasion. Et merci quand même et pour l'invitation et merci du fait que nous dégagnions ce panel-là. Passez bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit et salutations avec tout beau salut, quel que soit côté nous. En pile l'amour, en pile love, et puis rester avec l'Esprit Christ, non, sous base de l'amour, vérité et justice. Merci. Merci beaucoup, professeur Lavoisier. Et moi, j'ai un téléphone, on n'a pas été en contact. Et moi, vous remercie vous. Et pas seulement le fait que vous répondez à l'invitation, mais substance de trouver ça, t'es là. Et moi, même personnellement, il était difficile pour moi pour me animer l'émission parce que j'étais tellement à l'écoute et il était vraiment en pile substance et moi apprécié lui. Et nous remercions à toute équipe là et m'a fait ça au commencement. Moi remercier tout Wendell lui. Et monsieur très de bien dans la conversation que nous avons gagné pour faire préparation pour l'émission. Hein. Et monsieur était très correct envers moi et m'a apprécié ça. Me remercie monsieur, me félicite le tout. Me félicite toute l'équipe là et qui te prend soin et qui te fait préparation ou du moins fait connexion avec nous pour te rendre ça possible. Nous remercions camarade Foucan tout. Et camarade Foucan, excusez-moi si m'a joint non et gon l'autre nom. Excusez-moi, bon, excusez-moi merci camarade Douti. Ici, on a étudiant, moi, qui fait le nécessaire pour ça. Merci en plus, ok? C'est non ça, vous vous êtes d'apprécier. Nous allons donner quand même un foucault pour vous. Nous saluons Dorothy et nous disons merci tout. Nous saluons toute l'équipe là et toute l'université Boussal là. Et professeur, moi-même personnellement m'intéresse. Nous allons faire parler sur ça, nous allons contacter vous. Et nous souhaitons que l'auditoire là, t'es emmagasiné à Soya. C'est une belle émission, c'est une belle émission. Nous comptons une belle émission, ça sont l'autre belle émission. Et nous voulons continuer à faire travail là, chercher chaque bon monde. Nous pensons qu'il capote en pierre dans la fondation pays d'Haïti. Et nous pensons que nous continuons à faire ça. Supporter l'équipe là et banou love aller sur channel YouTube nous al banou love al abonner nous al like page et al like en channel là et nous saluer tout grand chaque grand monde qui était branché nous saluer spécialement camarade César et depuis la cour Brooklyn camarade Pachuco et nous saluer tout monsieur panelicio avant d'abaisse monsieur Sayo chaque 10 secondes ou bien 25 secondes de préférence ba nous 25 secondes et pour on salutation avant que n'aller pour nous capable conclure camarade moi je n'aller rapide au resto nous rester seulement 2 minutes camarade moi merci beaucoup encore une fois nous remercier professeur là et nous remercier toute passe là qui campait derrière professeur là tout nous dire merci et ma connaissance m'a fait des autres des autres m'a passé au-delà de TDG au-delà de l'autre parce que nous avons la vie quand même professeur la veille 1er janvier professeur nous avons ma connaissance qui samedi 4 politique proche 1er janvier et nous avons pas bien aimé si vous gagnez dans la veille festivité 1er janvier nous la vie ça m'a continué la fin pour ça même la vie ça va être pour tout le monde qui vous a dit que vous avez investi pour Radio Pola, pour remettre en pile l'Académie sur Pola, depuis la Cour d'Angers. Bye bye tout le monde. Merci, camarade Mourage. On allait avec camarade Foucault. Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Et nous disons merci avec le professeur et la voix de Chéris et Junior. Et nous profitons l'occasion encore pour remercier la belle Béoti, Zami Pam, à moi, Béoti. Et nous remercions chaque grand monde qui était branché l'émission, ça, à Chargine Abonissé, madame Mouin, Katia Junior Foucault. Bonsoir à tout le monde. À samedi prochain, nous allons émission Panelicio et madame Yo. Et n'attendons-nous samedi prochain pour notre émission Pirouille et Pifilé sur Radio Panon, Radio Fanatique FM, émission Parole Lakay. Pas oublier que le dernier vague qu'on a qui augmenté, respecter le principe barrière, respecter la distanciation sociale, prendre les précautions de telle sorte que vous ne pouvez pas
contracté par virus là parce que nous besoin pour que en vie pour liker page Chanel Radio à l'abonner avec page YouTube Radio c'est cette façon capable supporter nous. Bonsoir tout le monde, passons bonne nuit, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup Kamal Foukan. Kamal Salomon allez. Merci Boule, et nous dit merci avec professeur Lavoisier qui était quitté au petit espace dans le temps libre pour participer ensemble avec nous. Et nous disons merci tout d'une parce que c'était une opportunité pour nous partager le panel ça. Et nous dit tout un gros merci avec auditeurs, avec auditrices qui t'attendent nous. Alors, je dis ainsi samedi, nous toujours dit si on conduit pas moi et si on boit pas conduit. C'était Jean-Pierre Salomon, nous cassons rendez-vous pour samedi pour Jessica si mettre la prête dans la vie. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup, Kassa Salomon. À nous prendre Kamal Jean-Baptiste et en aller. Bon, oui, merci, M. Boule. Est-ce que vous parlez de ballon en vous contour, mais vous passez le ballon et puis nous tournons le ballon encore. Et tout le public là, lui-même, bat bravo. Même si vous parlez, mais nous connaissons absorber tout ça qu'il dit. Nous, merci à professeur qui réellement il y a un pile bagaille dans Diakoutli. Et nous souhaitons un jour qu'on y va tourner encore pour partager tout le reste de bagaille qui est coupé dans la gorge. Et comme ça, la communauté elle-même va bénéficier et le pays en entier va bénéficier des connaissances, des temps qu'il mettait à part pour aider la communauté, pour aider nous sortir dans labyrinthe ça que nous y a. Pour nous remercier d'une façon spéciale et nous dire merci à tout le monde qui t'a prêté. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup, Kamal Jean-Baptiste. Les arrivés pour nous aller, nous remercions tout et M. Pandelicio, professeur, toute équipe, li, toute université pour Salan, nous remercions. Et nous remercions et Kamal César qui te mettait nous en duplex depuis la Cour New York sur NYKFM. Et nous saluons chaque grand monde qui te mette. Nous saluons madame moi et nous saluons chaque grand monde et le arrivé pour nous aller. Il y a un auditeur qui relé qui a dit allô, nous pas prendre encore. Non, sorry, parce que l'émission est finie et c'est conclu que nous conclu. Et si son bagage qui est capable d'approprier, il est capable de briller nous et capable de briller les nous capable de ça. Bon, le arrivé pour nous aller. Nous disons tout le monde merci et passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Que bon Dieu bénisse nous. Nous attendons samedi prochain, si Dieu veut, pour notre plus belle émission. Et émission qu'on remet en pile, nous connons remet en pile, c'est l'émission Parole la Caille qui passe chaque samedi depuis 8h jusqu'à 10h sur Radio Fanatique FM. Bye bye tout le monde. À la prochaine et merci beaucoup.